Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Les Ivoiriens miraculés dans un match des plus indécis. La Côte d'Ivoire arrache son ticket pour les quarts de finale en éliminant les champions en titre, le Sénégal. Et en fin d'édition, en marge de la Coupe d'Afrique des Nations, une initiative privée ambitionne de renforcer la sécurisation des routes. Et ce, avec un don de casque aux forces de police. 5 tirs au but à 4 pour le Sénégal. La Côte d'Ivoire crée le miracle pour la plus grande joie des supporters ivoiriens, comme ici à Blokos. Tu vas dire quelqu'un ce soir, ça tient en Côte d'Ivoire. Il était qualifié. Mais on veut cette année-là. Il y a toute la semaine à rester chez nous ici. On veut bien qu'un pays organisateur, et si on va perdre. On lui tient de financer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ça reste chez nous ici. Je n'ai pas compté de ma joie. Je pense que c'est le meilleur match depuis que le Dakar a commencé, c'est le meilleur match qui a fait du bon. Je suis avec le faire, pas forcément avec le faire avec. On avait tactique. On avait un fond de jeu. Et puis on avait la rage de vaincre. Donc, grâce à Dieu, on est passé et on est super heureux. Ce match, il a trouvé les éléphants vraiment dans le match. C'est-à-dire que c'est ce qu'on voulait qu'ils fassent depuis le début en fait. Mais ils n'ont pas produit ça. On les a grondés un peu et puis ils ont changé un peu le mouvement. D'abord, Planète Caissier, Pepe, Sangaré, c'était un peu, mais en tout cas, c'est sorti dans le match. Actuellement, on ne sait pas Benny en piste. Voilà, je suis à Blokos, c'est un vrai bruit qui est là-bas. Là. C'est quoi le dessin? Non, pas bien. En tout cas, fais donner la porte. 2h du matin, 4h du matin, 6h, si vous êtes devant la porte. Merci beaucoup, Fayet, entraîneur, tout ça. En tout cas, on a géré. Avant que la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ne commence, le président Alassane Ouattara avait dit « jamais 203 ». Une sérénité qui, pour l'instant, malgré les déconvenues, porte ses fruits. Reste à savoir contre qui du Mali ou du Burkina Faso disputera les quarts de finale contre les éléphants. Une plateforme pour sensibiliser sur les risques d'une urbanisation non maîtrisée. Initiée par la société civile, Alerte Foncier ambitionne d'informer l'opinion et les pouvoirs publics sur les constats et propositions issus de la 4e édition des Assises nationales sur le foncier et notamment le lien avec l'insécurité alimentaire. Et la première chose, c'est de rendre plus opérationnelle la plateforme Alerte Foncier. Et deuxièmement, c'est de l'accompagner à pouvoir porter davantage les grandes questions qui concernent le monde rural, surtout en matière de gouvernance du foncier rural. C'est tout ce qui est le suivi des initiatives du gouvernement et aussi le suivi des conclusions qui sont issues des assises, parce que les assises nationales sur le foncier sont choisies sur la base des thématiques que nous estimons assez importantes. Et quand il y a des recommandations, il faut un plan d'action pour pouvoir suivre le dialogue avec les décideurs, mais également accompagner la mise en œuvre. L'urbanisation galopante, aujourd'hui, doit être l'affaire de tous, que chaque acteur puisse véritablement s'impliquer et à travailler de façon concertée pour trouver des solutions idoines ensemble et agir ensemble. Pour que, véritablement, nous puissions trouver des solutions durables. Donc, aujourd'hui, il s'agissait de présenter un peu le résultat des assises d'Alerte Foncier en collaboration avec le laboratoire juridique de Côte d'Ivoire et aussi d'INADET Formation. Alerte Foncier se veut être une plateforme pour une gouvernance inclusive et durable du foncier rural en Côte d'Ivoire. L'initiative est engagée à plaider en faveur de l'amélioration de la gouvernance, le monitoring et la prise de position sur des projets de réforme foncière en faveur des populations rurales, autorités traditionnelles, organisations paysannes et autres décideurs politiques. Pour permettre aux policiers de réussir sereinement leur mission de maintien de l'ordre en cette période de Coupe d'Afrique des Nations, une entreprise de la place a offert une 50aine de casques à la préfecture de police de Mans. Nous faisons ce don de casques ici à la préfecture de Mans pour non seulement montrer notre engagement sur tout ce qui est sensibilisation sur la sécurité routière, mais aussi participer à cet effort d'organisation de la CAN, parce qu'il y a tellement de mouvements dans notre pays en ce moment qu'il est important pour nous de participer à la sécurité routière, mais aussi dire qu'on est là. C'est chez nous et il faut qu'on soit à la hauteur de toutes les attentes. Heureux de recevoir ces casques, le préfet de police a témoigné de sa reconnaissance aux donateurs. Merci aux donateurs et à toute l'équipe qui l'accompagne. C'est vrai, de façon humble,
Il a précisé que c'est un petit geste, mais j'ajoute que un petit geste très significatif. Parce que, comprenez, voyez-vous, la portée, le sens même du casque, les vies que le casque peut sauver. Nous leur disons infiniment merci au nom de notre hiérarchie, au nom du directeur général de la police nationale, naturellement, mais du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en disant merci à nos frères qui ont effectué le déplacement d'Abidjan jusqu'à nous pour porter ce acte très significatif. Après Mans, la délégation s'est rendue à Daloa et à San Pedro pour effectuer le même geste. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cetteinfo.ci.